J'aimerais bien que Flash Master reprenne. Ok, du coup on est parti, on zappe Lalo, ça zappe deux anti-air. Ok. Il a deux poisons, il a qu'un seul sort de speed. Le petit mignon qui a été déposé pour faire tomber la mine. Le ballon sur le canon, le roi. Comment il gère la reine avec sa propre reine? Le ballon qui a sorti le CDC, ça c'est OP. Le roi qui est mort, mais la reine ennemie est morte aussi. Allez le baby, allez la witch, dans le poison. Oh, par contre, la witch elle veut pas y aller, il y a les barbares là. C'est pas grave, il a un deuxième poison, heureusement. Heureusement, heureusement. Et sa reine est encore en vie. Elle a toujours sa capa. Par contre, il est parti un peu face à un propu là. Ça peut être gênant. Le speed au niveau des Tesla, ok, pourquoi pas. Ce qui serait bien vraiment, c'est que la reine allait vite chercher ce propu à la con là. Mais elle va pas y aller tout de suite, hein. Elle a encore une réserve et tout. Après, il lui reste encore le CDC, il nous fait pas un OCC, non, c'est bon, il l'a déposé. Ok, en vrai, ça va y aller là. Les propus un peu chiants, mais ça devrait passer. Tranquillou. OP. C'est tout ce que j'ai à dire. Attention, il a même un molosse qui a pas pété. Nice. Bon, par contre, heureusement qu'il avait le double poison parce que la gestion du CDC, c'était pas trop ça. Le premier était un peu mal placé. Après, bon, c'était les barbares, ils étaient sur les barbares, les troupes, donc bon. Allez, on est parti avec Gauthier. Oh, voilà, il a déjà les 5 Valkyries. Il a déjà les 5 Valkyries. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Baby, du coup, au sud. Ok, le golem qui a été déposé, ça va tirer le canon, la tour d'archer. Quoique le golem va sortir du rayon du canon. C'est la reine qui va prendre l'aggro. Non, c'est Louis qui était devant. Ok. Du coup, ensuite, c'est le roi, les sorciers qui ont été déposés. Sapeur, re-sapeur, ça va open, parfait. Le roi devrait faire un petit demi-tour sur la tour de sorcier. Les Valkyries qui ont été déposées. Ça, c'est du classique, hein. C'est ce qu'on a l'habitude de voir avec de la Valkyrie. En gros, c'est un espèce de KS, quoi. Le poison qui devrait être déposé. Il a dû perdre ses Valkyries, là, par contre. Il y avait des whiz. Ouais, c'est ça, il a perdu ses Valkyries. Le poison sur le bébé. Quoi qu'il en reste une. Il en restait une qui était encore en vie. La reine qui est un peu dans la sauce. Et elle va perdre sa capa à cause du canon. Ok, le bébé qui va mourir avec le poison. Nickel. Ouh, la bombe là qui fait mal. Ok, le sort de soin. Il reste encore des cochons. Hein. Pour l'instant, ça n'a pas pris de ressort, ça a juste pris une bombe. Mais ils ont réussi à survivre. Voilà, un ressort, trois cochons en moins. La reine qui est toujours en vie, les sorciers aussi. Ok. Et il a un Tesla Park à gérer à 3 heures. Pas évident. Il essaie de garder son soin apparemment. Ouais, j'aurais peut-être pas envoyé les cochons là. Ok, il va garder le soin pour les Tesla. Il se dit qu'il y a peut-être des bombes. C'est ça, hein. Ça, c'est bien vu. Parce que s'il y avait des bombes, ça aurait pu faire très mal. Là, il y en a juste une, donc ça va. Deux. Ouh, il y en avait deux. Ouais, parfait le soin alors. Non, il risquait de pas finir l'attaque. OP. OP, OP. Il y a une ou deux semaines seulement. Ah ouais? D'accord. C'est un petit. Enfin, c'est un petit. C'est un récent, quoi. Que je le connais pas. Je sais pas. Je pense surtout que c'est que c'est pas ce qui se fait, ça m'intéresse pas. Ok, du coup, on est parti. Golem. Oh, plusieurs golems. Ok, ils nous avaient fait ça la dernière fois. C'était un peu Tandax. On va voir s'il s'en sort mieux cette fois. En plus, il a des sorts de skull. Ah, c'est dommage. La tour de... Oh non, la tour de sorcier qui s'est mise sur le golem, c'est parfait. Du coup, les skulls vont gérer la reine. OP, ça.
En plus, ça attire le molosse. La reine va rentrer. Oh, mais dis-moi qu'elle a pas accès au molosse. Si elle a pas accès au molosse, c'est la vie. Elle va taper le molosse là, je crois. Il est en full skull, hein. Ok, il a des whiz un peu partout avec des golems. C'est le principe hein, de la compo. Les golems et les whiz faire le. Bah, pour prendre les bâtiments en fait. Hein. T'as juste les héros qui rentrent pour aller chercher ce qu'il y a au centre. Ça va perdre son truc, hein. Je veux dire, la reine va aller chercher l'arc X. Même pas, elle a même pas tapé, c'est les golems qui ont pris l'arc X. Et que les barbares et puis bah, le roi vont mourir qui a mis des dégâts. Ok, ça va chercher tour de sorcier, tranquille, il lui reste deux barbares. Il est même pas obligé de les poser. Et en plus, ça a été vite, hein. Il a mis 1 minute 34. Allez, on est parti. Deuxième hit agricole, on est sur du zap drag. Je crois qu'il y a des teams qui vont pas aimer ce qui va arriver la semaine prochaine. Ok, du coup, il a zap deux anti-air. Il a dû prendre canon tour d'archer avec. Enfin, ou des trucs comme ça. En tout cas, il a fait tomber tous les bâtiments qui étaient dans le compart. Donc il va start directement face à un Arc X. Et aux réserves, le CDC qui est sorti. Donc sorcier baby, il a un poison. Je rappelle, le poison, c'est le seul sort qui est autorisé sur toutes les attaques. Parce que c'était trop contraignant autrement. Ok, les dracs, ils vont bien avancer tranquille. Oh, il a un molosse. Du coup, ça veut dire qu'il n'y aura pas de Lalo sur la dernière attaque, puisque bah plus de molosse. La Caparène qui va aller chercher l'anti-air. C'est dommage parce que son molosse, il sert vraiment à rien en fait. Il sert vraiment complètement à rien. Parce qu'il a regardé le molosse. Voilà, il était au bon endroit, le molosse. Il va péter. Il a envoyé les 4 ballons, parfait. Et ça va perf, hein. L'anti-air est tombé, tranquille. Ça va prendre la tour d'archer, le canon en plus. Ça va descendre sur l'autre tour d'archer. C'est plié! Quoique un peu lent. En vrai, les ballons devraient survivre. Prendre la tour de sorcier, le canon. Ça va aller chercher foreuse et extracteur. Tranquillou. Enfin, même pas l'extracteur. Du coup, ça va tomber avant. Pour l'instant, j'ai l'impression que les deux teams, il y a moyen qu'elles fassent que des perfs. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, AQH. Oula, il y a des guéris, il y a des Valkyries et il y a 15 cochons. Ok. Why not, hein? Du coup, caserne noire avec les archers, ok. Il y a le gob qui a fait du déminage hein, au calme. Petit sort de gel sur la reine ennemie. Quel okay, CDC qui est sorti. Pourquoi il envoie les petits cochons? Je ne sais pas. Il veut choper l'entière, je suppose. Ouais, c'est ça. Il va rentrer au niveau du compartiment de la reine. Ok, l'open qui a été bonne. Du coup, ouais, il n'y a plus d'entière. Comme ça, ces guéris ne seront pas target par l'entière. Donc la reine n'y a pas accès. Le baby pour funnel. Donc là, la reine, elle n'a pas d'autre choix que de rentrer dans le compart. La question, c'est est-ce qu'il va envoyer ses Valkyries avec? Est-ce qu'il va faire autre chose? Il reste encore 3 sapeurs. Ok, ça va prendre la tour d'archer. Ça va aller choper l'anti-air. Il a envoyé une petite Valkyrie au sud. Il y a le roi avec. Ok, il a envoyé le reste des Valkyries. Bombe géante, ça va faire mal. Il envoie des cochons par-ci par-là. Hein. Ça va prendre des bâtiments en mortier, double canon. Le roi qui s'est un peu barré. Je crois qu'il n'y a plus de Valkyrie. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de Valkyrie. Le roi ennemi n'est pas tombé. Ok, là ça me fait un peu peur pour lui parce que le roi va être très chiant potentiellement. Il risque de le prendre pendant un bon moment. Hein.
Ça, c'est problématique. Ressort de soins, il a plus de rage. Ok, il y a un ressort qui s'est déclenché qui a servi à rien. Il y a des cochons au centre qui ont pris tarif sur la double bombe. Le soin qui disparaît en plus. Et le roi qui est toujours sur les cochons. Non, c'est bon, il a des focus. Allez, prenez l'Arc-X au moins. Ouh, ça me paraît compliqué. Un petit archer sur l'HDV là, peut-être, parce que 50 secondes et. Et un one, ce serait une défaite assurée, quoi. Je crois qu'il a voulu tenter un truc, ça s'est pas passé comme prévu. Hein. Ouais, niveau time, il est rip. Il n'y a plus trop de clean, malheureusement. Ça va pas prendre l'HDV. Hein. Ça va pas prendre l'HDV, c'est triste. C'est super triste. Ça va one ce truc. Non! Ok. Bon, je crois que on a notre premier perdant du soir. Oh, c'est dommage, il avait fait un super bruit juste avant là et je pense qu'il a voulu tenter un truc et ça a pas marché. Ouais, c'est Valky, c'est son roi là, ils ont pas servi à grand chose, hein. Ça a juste pris les Tesla. Pas ouf, je pense qu'il voulait choper un peu plus, je sais pas trop. Les trois golems, les petites lignes de witch, tranquille. Le bon spam qu'on aime. Ah, il y a une sorcière qui s'est fait aggro par une Tesla. Elle est morte. Le poison sur le CDC, parfait. Ça prend bien tout. Avec ses sismiques, il devrait pouvoir ouvrir tout le reste de la base en fait. Hein. Donc autrement dit, les sorcières, elles se baladent. Y a rien qui peut les arrêter. Il y a les skulls, c'est pareil, hein, ils vont un peu partout. En vrai, sur les côtés, ça commence un peu à mourir. Tour de sorcier. La sorcière devrait mourir. Ouais, la tour de sorcier tombe pas. La sorcière meurt. Par contre, là, la tour de sorcier va tomber. Ça va pas prendre l'autre sorcière. Toutes les sorcières qui étaient sur le côté, elles sont mortes. Hein. Après, il reste encore le roi qui vient d'activer sa capa. L'Arc-X qui va tomber. Il y a un golem qui tank. Et la reine, elle a toujours. Elle est toujours en vie avec sa capa. Donc, ça va aller. Ça va aller chercher le perf. Enfin, il n'y a pas de raison que ça n'y aille pas. De toute façon, il a deux étoiles, donc c'est déjà gagné. Ok. C'est quand même pas mal essoufflé au niveau des sorcières. Hein. Mais bon, ça fonctionne. Efficace. Du coup, c'est leur deuxième. Bah, ils ont fait que des paires. Pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas fait une seule fois au terre agricole. Ok, du coup, bah, on a notre premier finaliste du groupe A. Agricole, à moins qu'ils aient utilisé des troupes sur plusieurs attaques, mais il me semble pas. Ouais, dommage le one de démo là sur le dernier hit.